Ouais, non, mais ça. Moi, tous les gens avec qui je parle, je leur dis, on est qu'un franchement de flou, quoi. Vous allez voir. Pour moi, c'est facile, on met une lettre dans une fenêtre. Avancer les choses, elles gagnent du temps, voilà, clairement. Donc, c'est des discussions qui n'avancent à rien. À part de nous dire que les trois emplois qu'elle a mis, qui en fait, de toute façon, sont déjà d'actualité. Donc, les CDI ont été signés, hein, donc, comme par hasard, ça a mis un peu de plus. Donc tant mieux pour ceux qui en bénéficient, mais par contre, il faut quand même... Les ampères aussi, et là, c'est un peu un message pour les collègues des autres centres courriers qui sont là. Maintenant, l'enjeu. L'enjeu, en fait, c'est de s'appuyer sur la grève d'Albertville pour développer un mouvement de grève sur l'ensemble de la Savoie pour faire tomber le tourner sa coche. Et ça, c'est fondamental et c'est le moment. Et je pense que les collègues des autres centres, il faut qu'ils retournent dans les centres pour expliquer ça aux collègues. Parce que si les tournées sacoches, elles tombent à Albertville, elles tomberont. Genre, du coup, ça monte apparemment, ils ont très peur de mobilisation sur Chambéry, là. Là, c'est vraiment un signe de faiblesse de la direction de la Poste. Par rapport à hier, j'ai effectivement rencontré Anne Hidalgo, hier soir à l'échelle à Féropem. Les copains de Féropem m'avaient laissé 2 minutes, un petit chrono pour expliquer ce qui se passait à Albertville. Du coup, j'ai expliqué la situation, le mouvement de grève depuis le 18 octobre, en intersyndical. Je lui ai remis la motion du coup qu'on avait rédigée le matin. Elle a dit qu'elle soutenait les grévistes, évidemment, et les médias autour, hein, elle ne peut pas dire le contraire. Bon après, pas d'engagement de sa part, hein, je pense pas, mais elle a dit qu'elle soutenait la grève. Et, en tout cas, ça a encore mis un coup de pression par rapport à la direction de la Poste. L'intervention d'hier soir. En tant que déléguée CGT, donc aujourd'hui je suis passée de l'autre côté puisque me voici retraitée déjà depuis 15 ans. Donc effectivement, depuis 1974, je n'ai jamais connu un tel mouvement aussi important et cette solidarité qui, j'espère, va durer encore très longtemps avec les trois organisations syndicales. Donc ça, c'est une... Il se passe que les facteurs et les personnels de la Poste du centre courrier d'Albertville sont en colère parce qu'ils subissent une réorganisation qui ne les a pas inclus dans le processus et qui fait qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à assumer les tâches que la Poste veut leur confier. Les restructurations de la Poste, c'est une catastrophe. En particulier, ils mettent en place des tournées sacoches. En fait, qui détruisent le métier de facteur, mais qui détruisent aussi la qualité de service. Et c'est pour ça que le personnel d'Albertville, il se mobilise. Et c'est pour ça, à notre avis, qu'il faudrait que ce soit tout le personnel de la Savoie qui rentre en grève pour empêcher la casse du métier de facteur. Et ben on est là avec tous mes collègues aujourd'hui parce que les conditions de travail sont pas bien pour avoir un bon fonctionnement au niveau du travail. Et surtout, c'est que... avec le pic des colis qu'il va avoir avec le Black Friday et Noël et toutes les aménagements de tournoi qui ont été faites, et ben c'est pas possible. Ben pour nous les solutions aujourd'hui c'est plus d'emplois puisque il y a eu 8 emplois de supprimés. Donc ces emplois là il faut qu'ils les réinjectent. Et puis aussi un samedi sur deux pour pouvoir travailler et se reposer de façon normal, on va dire, hein, puisque de temps en temps d'avoir un week-end c'est très bien. Et puis après, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des tournées pour les personnels qui ont des difficultés, qu'elles soient adaptées en fonction de ce qu'ils puissent pouvoir effectuer. Franchement, je
je suis très content d'être là avec mes collègues aujourd'hui parce qu'il faut vraiment qu'on puisse faire bouger les choses au niveau du centre d'Albertville. Et aujourd'hui, on est avec pas mal des gens de la Savoie qui viennent nous soutenir, donc c'est vraiment super cool. Oui, c'est un appel que je fais aux autres bureaux, aux autres centres courriers, aux autres postiers. Et c'est le moment en fait, parce qu'on est en pic, on est en pic de trafic colis. Et la Poste maintenant, c'est maintenant qu'elle a le plus peur des mobilisations du personnel. Donc il faut en profiter maintenant pour mettre la pression à la Poste et qu'elle abandonne ses réorganisations, en particulier les tournées sacoches, quoi.